Voilà. Allez, on se remet bien. Enroulé ici. Là. Maintenant, vous allez simplement venir les mains sur les genoux. Déverrouiller les genoux. Poitrine reste sortie. Vous voyez, je mets de côté. C'est-à-dire, on ne rentre pas le haut du dos. Je change de côté. Les petits ronds de chaque côté. Là, ici, de la même façon, je vais venir chercher l'amplitude sur la cheville. Je tourne autour de la cheville, là, ici. Hop là, voilà. Vous voyez mes beaux mollets en plus. Je continue de travailler quand même. Allez, sur les côtés. Hop. Allez. Maintenant, on passe ici. Donc là, on va venir un peu plus sur de l'amplitude. Fente arrière. Je vais de côté pour vous voyez. Je descends, hop, et je pousse dans le talon. Allez, encore un peu. Voilà, poussez dans le talon. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore une fois de chaque. Ah, ça marche. Allez, Jessica, rejoins-moi. Vas-y, place-toi là. Allez, super. Allez, je continue l'échauffement. Hop là. L'échauffement, on va venir au sol maintenant. On va venir sortir poitrine. Juste se mettre en planche sans bouger. Là, le but, c'est vraiment de travailler notre gainage, de commencer à réveiller le corps. Donc, cherchez à allonger, à rentrer le ventre. Voilà, le dos bien plat. Les abdos serrés, serrés. Et je contracte mes fessiers volontairement aussi. Maintenant, on va travailler ici. Vous allez envoyer le pied devant. Et on va travailler ici au niveau de l'amplitude, au niveau de la hanche, pour pouvoir déverrouiller, réveiller l'articulation. Je reviens de l'autre côté. Là. Et je repars. Maintenant, je reste dans cette position planche. Et là, je vais venir simplement mon pied droit. Puis le pied gauche va venir croiser vers le genou opposé. J'en fais 10 comme ça. Là, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, maintenant, on va réveiller le cardio. Pied droit large, pied gauche, je redresse et je repars. Sans impact. Pour l'instant, on ne saute pas. On cherchera à sauter après. On reste dans quelque chose de précis. Voilà, pensez à verrouiller vos abdos. Allez, on va d'abord engager le pied gauche maintenant. Gauche, droite, repousse. Allez, encore. Allez, juste pour réveiller un peu le cardio, on se recule. Et là, on va faire des tout petits sauts comme si vous étiez encore à sauter là. Allez, maintenant, on relâche un peu. Jumping jack pour terminer. On s'en fait 10. 10, 9, 8, 7. Bien sur les talons. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Allez, on récupère. On va se mettre au sol d'abord dans un premier temps parce qu'on va commencer avec les mountain climbers. Donc, vous allez vous placer ici, là. Hop. Face au sol. Alors, je vous montre les deux options avant qu'on parte. Très important. Soit je me mets sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Voilà. Jessica, ne te prends pas la tête, même si je ne te vois pas. Fais juste ce que je fais, ce sera le plus important. OK? Allez. Donc là, on va partir dans 15 secondes. Vous placez bien les mains ici sous les épaules. Vous pouvez vous placer dès maintenant si vous voulez en planche. Et on va venir croiser. Allez, go! Voilà, soufflez à chaque coup de genou. Voilà. Alors, c'est que le début. Hein. Ne cherchez pas à aller trop vite pour l'instant. Voilà. Et regardez, mon buste est quasiment fixe. Il ne bouge pas. Et là, je vais rester les abdos bien serrés. Allez, go, debout. Pied droit devant. Donc, j'insiste pour ceux qui mélangent. D'abord, pied droit. Allez, poitrine sortie. Genou maintenant.
Voilà, bien bas sur les appuis. Voilà, plus vous serez en bas et plus vous irez chercher loin avec votre pied là, ici, là, celui-là, plus ce sera difficile. Hein. Voilà, là, vous allez voir, ça va commencer à piquer, à brûler un peu là. Gardez vos abdos bien serrés, soufflez à chaque coup de genou. Allez, relâchez. On change de côté. On va changer de jambe. Allez, placez-vous de l'autre côté. Allez, top. Voilà, gardez la poitrine sortie. Langue à droite devant, et n'oubliez pas, plus je vais bas sur mon appui gauche et loin derrière avec mon appui droit, plus ça va être difficile. Excellent. Encore. Allez, relâchez. Allez, on se met face au sol et on va venir en gainage. Allez, go. Soit à genoux, soit à pointe de pied. Gardez la poitrine bien sortie. Trois, deux, un, top. Allez, debout. Maintenant, on passe à la partie un peu plus cardio. Là. On va commencer simplement du jumping jack. 3, 2, 1, top. Allez. Alors ça, c'est la première option. Option plus dure. Option moins dure, ou bien sur les côtés. Vous choisissez votre option. Voilà. Ou alors, je viens chercher là. Voilà, je mets du rythme. Je souffle à chaque fois que je remonte. Allez. Allez, plus loin, plus loin, plus loin. Allez, relâchez, soufflez un peu. Allez. Go. Squat jump ou squat normal. Si vous sentez que c'est dur, squat normal, pas de problème. Pas de problème. Voilà, avec du jump. Ça, c'est vous qui voyez. Ou sans saut. Descendez, inspirez et poussez en soufflant. Voilà. Gardez le mouvement, c'est le plus important. Ouh. Allez, soufflez un peu. Et on va repartir. Allez, avant le dernier exercice. Let's go. Fin de sauter. Voilà, sans sauter, c'est cette option. Ok, c'est vous qui choisissez. Sans sauter. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Allez, encore. Relâchez, soufflez, un peu de récup. Avant le dernier exercice. Hein. Allez, maintenant. On part. Squat touche en bas. Burpees, pardon. Go. Allez. Hop là. Voilà, regardez le côté. Hop, serrez les abdos. Si je suis chaud, je fais une pompe. Sinon, sans sauter. Allez, encore 10 secondes. Allez, encore, encore, encore. Top, relâche. Allez, soufflez. Je vous laisse 2 minutes pour récupérer, je reviens. Allez, profitez-en, récupérez bien. Allez, encore 1 minute. Cool.
Allez, encore 30 secondes. Bah, relaxez bien, soufflez. Donc on repart directement. Hop là. Cette fois, 25 secondes d'effort. On était à 20 secondes avant. On passe à 25 secondes maintenant. Donc là, on part avec les montagnes claveurs. Mettez-vous en place. Il nous reste encore 10 secondes. Allez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Stop, c'est parti. Là, ici. Soit je me mets sur les points de pied. Là, vous voyez. Hop. Soit genoux. L'important, c'est de voir le corps comme ça. Vous voyez bien que mon buste ne bouge pas, même à genoux. Voilà. Et sinon, hop là. Voilà. Et là, si je veux, si je suis chaud, j'accélère un peu. Allez, relax. Debout. Allez. Les droits devant, les genoux. Donc, vous ne voyez pas, plus c'est en bas, plus ça va être dur. Hein. Plus c'est bas, là. Plus ça va être dur. Bon. Allez. Voilà, mettez l'impact. Soufflez à chaque coup de genou. Levez la tête. Excellent. Allez, allez, allez. Allez, relaxez, soufflez. Commence à piquer. Allez. Du gauche devant. Excellent. Allez. Bien bas sur l'appui. Voilà, tête droite. Et on commence à envoyer l'intensité là. Voilà, poussez fort dans le talon. Restez en appui dessus. Hein. Pas sur l'avant, mais sur l'arrière. Là, relaxez. Allez, on se place en gainage. Soit genoux, soit pointe de pied. Allez, soit genoux, soit pointe de pied. Go!